Bienvenue, chers internautes. Merci de nous suivre. Merci beaucoup. L'attention est montée, c'est vrai. Aujourd'hui, samedi, c'est un très grand jour parce que d'abord, les Congolais attendent la publication de résultats provisoires. Il faut rappeler que la CENI, la Commission nationale indépendante, pardon, électorale indépendante, avait bien dit que la Commission électorale nationale, quand je dirais indépendante, il faut dire que la CENI a un peu de problème. Elle a promis d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais au-delà de ça, la CENI a promis, par la bouche de son président, de tenir la date du 6, c'est-à-dire demain. Mais il y a eu un sérieux problème parce que jusque-là, 20% des bureaux seulement étaient jusque-là compilés et qu'un très grand travail reste à faire. Bon, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'un report se dessine? C'est ce qu'on va voir avec la suite de temps. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ce samedi, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Merci beaucoup à vous. Il y en a qui m'ont appelé. Il y en a qui m'ont félicité, qui m'ont souhaité de joyeux anniversaire et tout. Merci vraiment à vous tous. Hein. Merci beaucoup. Vous savez, quand on a... En Afrique, je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Europe. Mais chez nous, en Afrique, quand on a atteint un certain âge, il y a lieu, à se dire bravo, félicitations et très bien. Alors aujourd'hui, je vais d'abord, au-delà de tout, nous excuser pour les conditions dans lesquelles nous travaillons. Vous allez entendre les bruits des enfants, vous allez certainement entendre les bruits des chantiers, parce qu'on ne produit pas ces émissions dans les meilleures de conditions. Nous sommes en train de travailler pour avoir un local, pour avoir un bureau approprié. Et pour y arriver, n'est-ce pas, pour mettre en place notre propre chaîne à nous, parce que nous ne visons pas que YouTube, nous visons beaucoup mieux. On vise vraiment une chaîne, comme on dit, une fréquence ici même à Kinshasa, pourquoi pas dans l'espace africain, parce que nous pensons que l'Afrique et le Congo ont besoin d'une information objective et pas des informations partisanes comme certaines des informations que je lirai tout à l'heure. Les journaux, ce matin, un samedi, après le 4 janvier 2019, nous avons aujourd'hui 4 journaux, mais les 4 journaux n'ont pas écrit, n'est-ce pas, n'ont pas finalement donné les informations d'actualité comme il faut. Je commencerai avec la prospérité qui dit RDC, des appels à la paix se multiplient. Des appels à la paix se multiplient. C'est plutôt la prospérité qui finalement signe dans son manchette. Sur son manchette, pardon. RDC, la CENI de nouveau face à ses responsabilités. La CENCO accuse le FCC contre-attaque. La RDC, Jonas Mukamba, inquiet sur l'avenir de la nation. Après, on va aussi voir, Maître Yoko dit le prochain président élu se doit de former un gouvernement d'union nationale en vue de faire participer toutes les opinions. Ce que je ne partage pas ce point de vue, malheureusement. Et je reviendrai sur la prospérité, parce que la prospérité finalement a mentionné beaucoup de fausseté dans ses colonnes. On va voir tout à l'heure beaucoup de fausseté qui, à mon avis, signe l'inanition intellectuelle de ce pays. On ne peut pas comprendre qu'un pays comme le Congo, qui regorge un nombre important d'intellectuels, mais que ce dernier se caporalise. C'est ce que ce dernier, ça donne à une sorte de bassesse intellectuelle. Je dirais même, à un moment donné, ils deviennent des tambourinaires, ils deviennent des turnferaires. Ce sont des gens qui finalement chantent les régimes et louent les hommes au lieu de louer les idées, de prôner les valeurs. Les intellectuels au Congo jouent-ils quel rôle? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Le tambour écrit « Fachi se prépare à la contestation ». Déjà par le titre, vous sentez qu'ici, il n'y a rien de vérité. Il n'y a que du tambour et du tambour et du tambour, rien de vérité. Et puis on parle plutôt, Bruno Tshibala veut être président du futur Sénat. On sent l'argent ici, hein. Ça sent l'argent, sincèrement. Le populaire, je ne sais pas comment Homo fait pour choisir des journaux comme ça. Le populaire écrit, entre Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi et Chadari, le suspense persiste. Oui, le suspense persiste pour eux, mais pour l'église catholique,
n'y a plus de suspense. Le candidat serait connu. Et c'est ce qu'on va voir. Et tout dernier, le 6 janvier 2019, l'heure de la vérité va enfin sonner. Et oui, si jamais on ne reporte pas ces élections. Commençons avec la prospérité. RDC, des appels à la paix se multiplient. Mesdames et messieurs, il faut dire aux Congolais et même à l'Afrique que la paix n'est pas une chanson. La paix n'est pas une chanson. On ne demande pas aux gens de faire la paix. La paix s'est construite. La paix est une construction idéologique, une construction scientifique, mais surtout une condition sociologique. La paix ne tombe pas du ciel, non. La paix est formée par la justice distributive. Par la justice, une justice harmonieuse, une justice administrative, une justice équitable. Voilà les piliers de la paix, la transparence dans la gestion de l'État. Aussi une sorte d'organisation, d'ambition et de paix. Toutes ces choses, tous ces ingrédients construisent ce qu'on appelle une paix et une paix durable. On ne peut pas avoir une paix si les injustices caractérisent la gestion de l'État. Si les députés sont ceux-là qui sont le mieux payés. On ne peut pas avoir une paix lorsque nous avons les féodalités économiques ou lorsque nous avons une sorte de division ou même, la juxtaposition de la richesse insolente et la pauvreté, extrême. On ne peut pas parler de la paix lorsque le paradis et l'enfer cohabitent sur une même terre. On ne peut pas parler de paix. Nous sommes dans un pays d'injustice. Nous sommes dans un pays où personne n'a envie d'être enfant d'un policier. Qui peut être enfant et accepter d'être l'enfant d'un policier? Faites un tour dans les camps militaires, vous verrez combien les militaires n'ont plus de pouvoir sur leurs enfants. On accuse leurs enfants de vagabonds, leurs enfants de prostituées. Mais parce que leurs parents ont démissionné. Leurs parents n'ont plus d'argent, ils ne savent pas comment éduquer leurs enfants. Les soldats ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école parce qu'il n'y a pas d'école publique. Il n'y a pas d'école gratuite. Les parents qui n'ont que 100 dollars, comment vont-ils faire pour envoyer les enfants à l'école? Vous allez voir aujourd'hui, les camps militaires sont transformés en des champs où les femmes sont en train de faire le champ. Elles vendent, comme on dit chez nous, Ndunda, Pondou, ainsi de suite. Leurs enfants vivront comment? Comment vont-ils faire pour vivre? Il n'y a pas de paix comme ça. On ne peut pas parler de paix. Même quand vous dites appeler la paix, il n'y a pas de paix. Quand nous pensons que si nous sommes pauvres, c'est parce qu'il y a un groupe de gens qui s'enrichissent. On ne peut pas parler de paix comme ça. La paix est le fruit d'un travail collectif qui découle d'une vision objective d'un leader. Il faudrait que le leader qui coordonne un pays, qui gère un pays, soit lui-même imbibé de la paix. Il doit lui-même être le producteur de la paix, pas un producteur du chaos. Il doit maintenir les balances de la justice afin que les gens vivent en paix et vivent en tranquillité. Vous savez, les Congolais ne demandent pas plus que ça. Le Congolais demande quoi? Le Congolais demande d'envoyer leurs enfants à l'école gratuitement. Le Congolais demande d'être pris en charge quand ils tombent malades. Le Congolais demande qu'ils se déplacent calmement. On n'a pas besoin de vivre à Kinshasa pour travailler à Kinshasa. On a besoin de vivre à Matadi et travailler à Kinshasa parce qu'on a des trains à grande vitesse. Nous n'avons pas besoin de venir vivre à Kinshasa, tout le monde. On peut vivre à l'est de la République, on peut vivre en Mbandaka. Mais quand il n'y a pas d'électricité en Mbandaka, quand il n'y a pas de morgue dans cette ville de Mbandaka, la morgue qu'on en a eu en 2012 seulement, et lorsque votre frère meurt, c'est vous qui achetez les carburants pour alimenter la morgue. Et si vous n'en avez pas, vous lui injectez du pétrole. Ça se passe au Congo. Ça se passe à l'Équateur. Voyez-vous? Vous avez les cafés qui pourrissent à l'Équateur. Vous avez les poissons qui meurent de vieillesse. Vous avez la canne à sucre, en quantité industrielle. Mais on n'en fait pas. On n'en fait pas usage. Vous vous rendez compte? Alors toutes ces choses créent quoi? Toutes ces choses créent de la frustration. Quand moi je travaillais pendant 10 ans, pendant 20 ans, je ne sais pas m'acheter un lopin de terre. Quand mon père a travaillé pendant 20 ans, pendant 30 ans, il n'a pas pu s'acheter ne serait-ce qu'une petite voiture. Il n'a pas pu s'acheter, ne serait-ce qu'un petit terrain. Dites-moi, mais quand un ministre arrive au pouvoir, les 2 mois qui suivent, non seulement qu'il construit des terres, mais il vient même acheter là où nous sommes des locataires. Voyez-vous? Alors à un moment donné, on se dit, mais ça ne sert à rien finalement. Et ça crée de frustration. Les frustrations finissent par créer quoi? Par créer les insurrections, et puis la guerre, le chaos, et finalement le pays s'embrase. Donc on ne peut pas aujourd'hui nous appeler à la paix. La paix, on ne l'appelle pas. La paix, on la construit.
Et on a construit, comme je vous ai dit, les leviers de la construction de la paix. C'est la distribution logique et effective, et si vous voulez, équitable, des ressources du pays. On ne demande pas que tout le monde gagne la même somme, non. Mais nous demandons que chacun gagne sa vie comme il faut. Je veux être l'enfant d'un roulage et ne pas avoir peur de dire que mon père est roulage. Je veux être l'enfant d'un plombier et je ne veux pas avoir honte que je suis le fils d'un plombier. J'ai une amie qui est en Allemagne. Je lui ai posé la question, ta mère travaille où? Elle me dit, ma mère travaille dans le nettoyage à l'université. Mais faites un tour ici. Faites un tour ici. Qu'on vous donne le boulot de nettoyer l'université. Mais vous allez rentrer chez vous, vous rentrez chez vous main vide. Vous rentrerez chez vous main vide. Vous n'arriverez même pas à supporter vos enfants. Vous n'arriverez même pas à nourrir vos enfants parce que nous avons détruit tous les secteurs de l'État. Aujourd'hui, le plombier, qu'est-ce qu'il représente au Congo? Le plombier, au mot tu en connais? Moi, j'en connais. Mais ils sont qui, finalement? Des misérables. Des misérables. Ceux qui travaillent dans les services d'hygiène. Mais des misérables. Si déjà ceux qui travaillent à l'ONATRA, à la STPC, ou je sais pas moi, même ceux qui travaillent déjà à l'OFIDA et tout, mais ce sont des misérables pour la plupart des cas. Des malheureux. Allez faire un tour, faites un tour chez ceux qui travaillent à la SNEL, à la Régie des Eaux. Je vous dis des malheureux. Ce sont des gens qui vous sentent la pauvreté. On dirait qu'ils étaient le siège social de la pauvreté, de la misère de ce pays. Parce que tous les secteurs publics ont été finalement caporalisés, ont été finalement dépouillés de tous leurs sens, dépourvus de l'humanisme, si je dois le dire, de la fierté nationale. La seule fonction qui donne aujourd'hui l'ampleur, c'est être politicien. Quand on est politicien, on est bien. Quand on est politicien, on est respecté, on est honoré. Mais quand on est enseignant, on vous appelle celui à créer. Entendez par là, ils sont la craie. Est-ce qu'on peut imaginer? On peut imaginer? Ils ont dit qu'ils sont, ils sont tellement pauvres comme le tableau noir. Le professeur, alors, le juge, les magistrats, ce sont ceux qui souffrent au Congo. Quand vous avez des magistrats qui souffrent, des magistrats qui sont piétons, qui n'ont pas de véhicule, qui n'ont pas de moyens de transport, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas l'accès à la santé, qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Dites-moi un peu, comment voulez-vous que la justice soit équilibrée? Si déjà le magistrat qui doit traiter de mon affaire, lui-même n'a pas d'argent. Alors moi je suis justiciable. Mais au Congo ce sont les justiciables qui achètent le... Qui achètent quoi, comment on appelle? Les papiers et les stylos. Vous entendez ici à Kinshasa, Somba stylo, Somba bic. Oh, mbonga maya bic. Mais n'ingenini mbonga maya bic et n'ingenini. Les sous-siates, ces policiers qui sont là, qui sont des OPJ. Mais ils ne sont pas fournis. L'argent qu'ils ont pour acheter les papiers éducateurs, ce sont les justiciables qui le font. Soyons sérieux à un moment donné. Alors vous allez dire qu'un enfant d'un policier va lui penser qu'il y a la paix? Non, il peut pas y avoir de paix quand il y a une injustice de cette façon-là. Aujourd'hui au Congo, vous avez les écoles des riches et les écoles des pauvres. Pas comme ça se passe à l'étranger, ou même chez les pauvres, vous avez les ABC, vous avez les prérequis. Mais chez nous, ce n'est pas le cas, chez nous, c'est détruit, tout est détruit. Si vous allez dans une école de pauvres, vous trouvez vraiment une école de pauvres, il n'y a pas de bancs. Les élèves sont appelés à louer des chaises pour les amener. Alors quand on a fait une étude, quand on a étudié dans des écoles pareilles, comment je regarde ceux qui étudient à l'école française? Comment je le regarde? De quel œil je regarde ceux qui étudient à l'UPIO et aux autres? Dans d'autres écoles. Alors que moi j'étais dans Epe Mama Tindika, Epe Mama Vandaboué, Epe Mama Bongisa. Comment je fais? Moi, je suis passé dans ces écoles-là. Et vous qui êtes passé dans des écoles riches, vous avez vu qu'il y a un déséquilibre total. Parce que moi j'ai manqué même les minimums. Je ne dis pas ici qu'il faut avoir tout le monde. Il faut qu'on ait, que les écoles soient équipées de la même manière. Non. Ici je vous parle de prérequis. Je vous parle de minimum que le Congo finalement a détruit. Alors ne nous parlez pas de paix. Ne nous parlez pas de paix quand nous sommes à Barumbu, quand nous sommes à Makala, quand nous sommes à Bumbu, quand nous sommes à Selembao. Ne nous parlez pas de paix quand vous vivez à Gombe, quand vous vivez à ma campagne, quand les autorités s'arrangent pour construire des nouvelles cités et laisser les anciennes cités mourir, c'est détruire. Mes frères, faites un tour à Barumbu, vous aurez mal. Faites un tour à Makala, vous aurez mal. Vous allez vous dire que c'est un poulailler ou ce sont les hommes qui vivent là-bas? Oui, les hommes qui vivent là-bas, abandonnés par la politique. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas appeler la paix. Donc, si je m'en vais parler à mon aîné, pour qui j'ai beaucoup de respect, Jean-Pierre Kambila, de bien vouloir peser certains mots quand on vient le dire. Vous êtes directeur de cabinet adjoint.
Vous n'avez aucune idée de la souffrance des gens. Vous n'avez aucune idée de la misère dans laquelle les Congolais vivent. Monsieur Kambila, je répète que je vous respecte beaucoup. Mais est-ce que vous vous êtes déjà sorti un jour le matin prendre un taxi? Est-ce que vous êtes déjà allé dans un arrêt de bus et attendre le bus, monsieur le directeur de cabinet? Non, vous êtes loin. Vous êtes à des années-lumière de la réalité sur terrain. Posez-nous la question. Nous attendons le bus 4 heures du temps. Nous attendons le bus 3 heures du temps. Je vois des mamans faire le fil, attendre des longues heures un bus qui viendra peut-être tard. Longtemps debout pendant 4 heures. Et quand ils sont dans le bus, elles doivent encore attendre 2 heures ou 3 heures parce que les routes sont mauvaises et presque impraticables. Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, est-ce que vous avez encore un cœur pour voir le Congolais souffrir de cette façon-là? Regardez votre voiture, regardez votre char automobile. Je crois que vous ne savez même pas à combien revient le prix du litre à la pompe. Vous ne savez pas, monsieur le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Vous n'avez aucune idée de combien coûte aujourd'hui, combien coûte la braise. Vous n'avez pas l'idée de combien ça fait mal dans les transco, dans les transkines. Vous êtes élancé, cher aîné. Vous êtes très élancé, cher aîné. Je vous connais. Vous êtes élancé. Mais vous n'arriverez pas à monter dans le bus des transkines. Vous n'arriverez pas. Un jour, faites ça même comme une promenade. Laissez d'abord votre voiture, votre grosse et grande voiture. Laissez d'abord la voiture. Prenez transkines. Cher aîné, vous comprendrez combien le Congolais souffre. Vous comprendrez combien le Congolais souffre. Cher aîné, faites un tour dans les églises. Allez voir comment les gens prient. Ils ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils prient parce qu'ils veulent que Dieu leur donne le pain. Ils prient parce qu'ils veulent que Dieu puisse les guérir des maladies qu'ils ont. Très souvent, c'est la malaria, la typhoïde. Des maladies qui pouvaient être prises en charge par l'État, par votre gouvernement, cher aîné. Mais ces gens-là n'ont pas ce droit-là. Ils se rabattent à Dieu. Ils prient que Dieu les aide. Depuis quand Dieu guérit la typhoïde? Depuis quand Dieu guérit de la malaria? Ce sont des maladies que l'État pouvait prendre en charge, mais que vous ne prenez pas en charge, cher aîné. Donc, quand vous appelez la paix, pensez, il faut peut-être penser à cela. Vos enfants boivent du lait. Est-ce que vous avez fait un tour à Makala pour voir dans quel état ces enfants vivent? Il y a des enfants qui ont 10 ans à qui on apprend déjà à ne pas pleurer quand ils ont faim. Cher aîné, faites un tour sur le boulevard. Vous trouverez des petits enfants de 10 ans. Et ils sont comme ça, 7 millions d'enfants dans la rue. Ils sont comme ça, 7 millions d'enfants dans la rue. C'est la population du Gabon et de Lesotho mélangée. Mais des gens qui sont dans la rue. Non, cher aîné, avec tout le respect que je vous dois, n'appelez pas la paix lorsque c'est vous qui créez les problèmes. N'appelez pas la paix lorsque c'est vous qui êtes à la base de la destruction sociologique de notre pays. Et quand je vous le dis, c'est par amour que je vous le dis. Parce que vous êtes Congolais. Je ne doute pas de votre nationalité. Je ne doute pas de votre nationalité. Mais ce qui me fait très mal, c'est quand vous regardez ce peuple souffrir et vous ne dites rien. Quand vous regardez ce peuple en train de souffrir, vous ne dites rien. Vous voyagez partout à travers le monde. Vous êtes allé partout à travers le monde. Vous êtes allé à Genève. Vous êtes allé en Suisse. Vous avez beaucoup vécu à l'étranger. Est-ce que la vie de ceux qui vivent à l'étranger est meilleure que la vie que nous vivons ici? Vous répondrez avec moi oui. Et vous pensez, cher aîné, que ceux qui ont créé les conditions de vie là-bas sont des anges? Ce ne sont pas des anges. Ce sont des hommes, des femmes comme vous, placés au là où vous êtes. Et ce sont eux qui ont changé les choses, cher aîné. Ils étaient directeurs de cabinet de leur président. Ils étaient conseillers. Ils étaient ministres. Ils étaient députés. Ils ont travaillé pour l'évolution et le développement, l'émergence de leur pays. Mais parlons-en, cher aîné. Où sommes-nous aujourd'hui? Non, moi je crois que la paix ne viendra pas au pays s'il n'y a pas de justice. Et la justice ne viendra pas dans ce pays s'il n'y a pas du bon sens et de l'équité. Nous devons avoir de l'éthique, ne serait-ce que du bon sens, pour amener ce pays à la vie. Arrêtons avec l'injustice. Votre salaire, président, pardon, votre salaire, monsieur Kambila, cher aîné, votre salaire, combien vous gagnez? Comparez-vous ce salaire à un magistrat? Est-ce que vous allez comparer ces salaires à un professeur d'université? Allez-vous comparer ces salaires à un médecin? Allez-vous comparer ces salaires à un policier, à un militaire? Non, vous êtes le mieux servi de la République. Vous êtes le mieux servi de la République. Nous sommes des oubliés de la République. Alors quand vous nous parlez de paix, alors prenez un peu de distance, cher aîné. Il n'y a pas que lui, mais il y a aussi un autre titre, la CENI,
de nouveau face à ses responsabilités. Je me pose la question tranquillement. Quel est le calendrier que la CENI a respecté depuis tout ce temps? Elle nous a promis les élections le 23. On ne les a pas eues le 23. Nous sommes allés au 30. Très bien. On a reporté les élections. On a suspendu la campagne. On nous a donné que le 6, on va finalement publier les résultats. Et même la même CENI revient pour dire non, le 6, ça va être, c'est proche, on va demander un autre report. Alors qu'on sait, quand on demande un report de publication, ça veut dire que le président va prêter serment aussi pas à ce jour-là. On va encore reporter et repousser. Et quand on repousse, donc M. Kabila restera encore au pouvoir pendant un petit temps. Voyez-vous le problème maintenant? Pourquoi faisons-nous ça? Et pourquoi pourriez-vous arriver jusqu'au point de titrer, de donner des tomes comme ça dans les journaux? La CENCO accuse et le FCC contre-attaque. Mais le FCC va contre-attaquer quoi? La CENCO n'a pas publié les résultats. La CENCO, ici, la CENCO a tout simplement dit « Nous connaissons le nom du candidat. » Mais c'est par la proportion que vous avez fait les statistiques. Nous avons tous étudié, nous avons été à l'université. On sait ce que c'est les statistiques. Nous savons ce qu'on appelle la proportion ou même la proportionnalité de fait. Donc sur base de 20%, 30%, on peut déjà avoir l'image de ce qui va se passer après. On n'a pas besoin d'avoir tous les éléments. Est-ce que vous savez qu'on peut compter jusqu'à 1000 sans passer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? On peut procéder par échantillonnage. Ce sont des leçons très élémentaires qui ne pouvaient pas appeler un débat. Quand la CENCO vous parle ici qu'il a les résultats, ce n'est pas du bluff. Ce n'est pas du bluff. Je vous rappelle que la CENCO a mis à la disposition de la CENI près de 80 000 témoins. Et nous, on a eu 80 000 bureaux. Est-ce que c'est difficile à comprendre? 80 000 témoins, 80 000 bureaux. Est-ce que c'est difficile vraiment à comprendre qu'un témoin pour un bureau de vote? Et tous les témoins, ils ont compilé. Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Je ne comprends pas. Ce n'est pas difficile à comprendre ça. Alors n'accusez pas la CENCO. Mais là où je vais m'attarder un peu au mot, c'est quand on parle de ce qui va me faire très mal. Dans ce journal, la prospérité, la page 3, il y a beaucoup de fausseté. Alors, beaucoup de fausseté. Permettez-moi, mes frères et sœurs, de revenir dans le deuxième numéro pour vous parler de la prospérité. Parce que je crois que c'est tout ce qui est le plus important. Il me reste que deux petites minutes. Je reprends rapidement. Je prendrai le tambour à la deuxième version. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dixième numéro de Critique Info. Mais nous allons dire que le bilan pour nous est positif. Non, mais le bilan est très, très positif, même si nous n'avons pas encore le soutien, mais on a toutes les souscriptions, hein. Les gens ont déjà souscrit, les gens m'ont appelé, ils m'ont dit on va envoyer l'argent, on va envoyer les moyens, on va vous soutenir, les gens ont promis, on est tout à fait d'accord, nous attendons vos soutiens, ça va être un grand plaisir pour nous parce que on va faire ce qu'on appelle les directs et nous sommes entendus pour avoir 4 directs par jour, n'est-ce pas au mot 4? 4 directs par jour, le matin, la journée, pendant après-midi et deux grandes éditions la nuit, c'est-à-dire à 20h, n'est-ce pas au mot 20h et 22h. Voilà, donc on aura 4 directs, mais pour ça, on a besoin de matériel. On a besoin de matériel, on a besoin de box, on a besoin d'avoir une liberté d'internet parce qu'on ne sait jamais, ça peut se couper à tout moment et nous pouvons trouver déjà notre propre moyen pour le faire. Donc, ne soyez pas gênés si vous avez de quoi nous aider. Faites-le, ça sera pour une bonne cause. Ça ne sera pas pour nous enrichir, non, pas du tout. Ça sera finalement pour amener l'information aux autres. Mais j'ai toujours votre information, je vous la donnerai. Entre Fayulu et Tshisekedi et Shadari, le suspense persiste. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce dossier, on avait déjà parlé de ça. Hier, on en a parlé. Et le 6 janvier, l'heure de la vérité, va enfin sonner. L'Église catholique révèle de nombreuses irrégularités. Ça, on en a aussi en parlé déjà. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce dixième numéro première version. Parce qu'on a toujours deux versions par jour. Je vous retrouve dans le prochain numéro. Seulement, nous vous disons de suivre aussi Elite Télévision. Ça s'appelle Elite Télévision. Ou bien émission Bongwana. On a plus de 30 émissions là-bas. Essayez de lire ces émissions. Elles sont longues. Prenez tout le temps. Ça va vous prendre. Et nous, ça va nous intéresser beaucoup. Je rappelle encore que vous entendez les bruits des enfants. Comprenez. Nous faisons tout pour sortir de ces cadres. Et on n'attend plus que vous. Si vous aimez cette émission, si vous avez aimé, dites merci à Omo Elikia, qui est mon réalisateur et mon partenaire
dans cette chaîne Congo Buzz et qui est aussi le gestionnaire de Elite Télévision. Donc on est là pour vous, mesdames et messieurs. Nous, on s'est décidé de vous aider à avoir la bonne information. Je vous retrouve tout de suite. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.